nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 9 juin, jeudi. Et chaque jeudi, c'est un jour dédié de façon spéciale à la Sainte Eucharistie, à l'adoration et aussi à la prière pour le pape, pour nos évêques, pour les prêtres, pour les vocations. On est prêt en demandant au Seigneur, donne-nous, Seigneur, des saints et nombreux prêtres. Nous devons demander ces grâces chaque jeudi spécialement. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est le premier livre des rois, à partir du chapitre 18, à partir du verset 41. Élie dit à Acab, « Monte, mange et bois, car j'entends le grondement de la pluie. » Pendant qu'Acab montait pour manger et boire, Élie monta vers le sommet du Carmel et se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, « Monte donc et regarde du côté de la mer. » Il monta, regarda et dit, « Il n'y a rien de tout, du tout. » Élie reprit, « Retourne 7 fois. » À la 7e fois, le serviteur dit, « Voici un nuage, petit comme une main d'homme, qui monte de la mer. » Alors il dit, « Monte, dire à Acab, attelle et descend, pour que la pluie ne t'arrête pas. » Sur le coup, le ciel s'obscurcit de nuages et de tempêtes. Il y eut une grosse pluie. Acab monta en char et partit pour Israël. La main du Seigneur fut sur Élie. Il saignit ses reins et courut devant Acab jusqu'à l'arrivée d'Israël. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Élie dit au roi Acab, monte, mange et bois. Monte sur la montagne. Il dit, j'entends le grondement de la pluie. Mais il écoute le grondement de la pluie dans la foi. Il écoute à la foi parce qu'il n'avait pas aucune pluie. L'homme de Dieu, il a l'écoute de Dieu. L'homme de Dieu, il écoute Dieu, il a l'écoute de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va dire, monte, mange et bois. Et pendant qu'Acab montait pour manger et boire, Élie monta vers le sommet du Carmel. Regarde, il a dit, j'entends le bruit de la pluie. Et il monte, il se courba vers la terre, il met son visage entre ses genoux. Qu'est-ce qu'il fait? Élie, il prie, il supplie. Seigneur, je sais que tu vas envoyer la pluie sur cette terre sèche. Seigneur, tu vas nous bénir par la pluie, Seigneur. Parce que nous avons besoin vraiment de la pluie. Vous comprenez? Parce qu'il avait une forte sécheresse dans les pays d'Israël. Et il se met à genoux, la tête entre ses genoux. Il met le visage entre ses genoux. Il supplie. Il est en train de faire une prière au Seigneur. Il dit à son serviteur, monte donc et regarde du côté de la mer. Et dans la foi, il a écouté ce que le Seigneur avait dit, il va pleuvoir. Il monte sur la montagne, il ne voit rien, il n'a pas de pluie. Il se met à genoux et dans une attitude humble, comme un pécheur qui demande le pardon de Dieu, mais qui supplie, qui prie le Seigneur. Et après, il demande à son serviteur, va regarder. S'il monte et regarde. Il va dire, rien, il n'a rien. Élie va dire, retourne 7 fois. 7 fois, monte et descend, monte et descend, monte et descend. Le serviteur certainement s'est demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait là, en train de courir et descendre, il est fou. Ce prophète Élie. Mais Élie prie, le serviteur qui court. Mais les deux sont en train de faire le travail, son travail pour Dieu. Un qui prie et un autre qui court, qui travaille. C'est comme la vie contemplative et la vie active, on pourrait dire comme ça. Il y a quelqu'un qui est en train de prier, qui soutient par sa prière le monde, et l'autre qui est en train de travailler.
d'évangéliser, d'être missionnaire, on pourrait dire comme ça. Contemplation et mission. Ora et labora, ça veut dire prière et travail. Et après, il va à la septième fois. Ça veut dire qu'il a un acte d'obéissance ici. Il va voir, il dit, voici un nuage petit comme une main d'homme qui monte de la mer, ça veut dire, qui est au loin, très loin. Et il dit, monte dire à Cap, à tel et descend pour que la pluie ne t'arrête pas. Ça veut dire que les signes, Élie avait demandé un signe à Dieu. La petite nuage au loin, c'est déjà le signe que la grâce de Dieu va arriver. Ça veut dire, et le prophète Élie ne se décourage pas. Hier, nous avons vu, devant le peuple qui s'éloigne de Dieu, Élie ne se décourage pas. Aujourd'hui, devant la sécheresse, Élie ne se décourage pas. Il supplie le Seigneur, il prie le Seigneur. Et le Seigneur envoie un petit signe, voilà, la petite nuage. La tradition voit dans ce petit signe la présence de la Vierge Marie. Le petit nuage, c'est la présence de la Vierge Marie par qui toutes les grâces nous viennent. Marie, mère de toute grâce. Et après, la tempête qui va arriver. Sur le coup, le ciel s'obscurcit du nuage et des tempêtes. Il y a eu une grosse pluie. Ça veut dire que la grâce a été abondante. Mais la grâce a été abondante, mais la prière a été abondante. L'intercession a été abondante, certainement les actes de foi aussi abondantes, même les sacrifices peut-être ont été abondantes. Ça veut dire que l'attitude d'Élie a attiré la bénédiction, a attiré la présence aussi de la Vierge Marie. Et après, on voit, la main du Seigneur fut sur Élie, il saignit ses reins et courut devant Akab. Il courut. Je n'imagine pas. Le prophète Élie est un petit jeune, 20 ans, un vieillard, qui va saigner ses reins. Ça veut dire, ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Et il court, il est empressé. Il est empressé au service du Seigneur. Et il court devant Akab jusqu'à l'arrivée à Israël. Voilà. Voilà tout comment le Seigneur bénit. Non pas seulement Élie, mais à travers d'Élie, tout un peuple. À travers la bénédiction que Dieu accorde à Élie, ce n'est pas seulement pour lui, mais c'est pour tout un peuple. Voyez la présence d'un saint. Un homme saint, une femme sainte, fait toute la différence. D'accord? Maintenant, les psaumes. Les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 65. À partir du verset 10. Tu visites la terre et la fais regorger. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est rempli d'eau. Tu prépares les épis. Ainsi tu la prépares, arrosant les sillons, aplanissant ses mottes. Tu la détrempes de l'averse. Tu bénis son germe. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage, la graisse ruisselle. Il ruisselle les pacages du désert. Les collines sont bordées d'allégresse. On voit ici la fécondité, non pas seulement dans les choses matérielles, mais vraiment le Seigneur veut nous couronner, non, toute cette année, des bienfaits. Et le Seigneur, sur son passage, sur ton passage, le Seigneur passe aujourd'hui dans ta vie. Le Seigneur passe et le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit, mais souvent les gens cherche les bénédictions pour mon confort, pour mon plaisir. Mais demandons les grâces pour que le royaume de Dieu puisse s'instaurer en nous, dans nos familles, dans nos vies, dans nos paroisses, dans nos vocations, dans notre service à l'Église, dans notre travail. C'est de mettre le Seigneur en premier. Et tout, comme Jésus va dire, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses vous seront données par surcroît. Mais d'abord, mettre le Seigneur et sa justice en premier. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 5, partie du verset 20. Car je vous l'ai dit,
Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, « Tu ne tueras point, et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi je vous dis, quiconque se fâche contre son frère, en répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère, « Crétin », il en répondra au Sanhédrin. Et s'il lui dit « Renégat », il en répondra dans la géhenne de feu. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis reviens et alors présente ton offrande. Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. En vérité, je te l'ai dit, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. » Alors, Jésus commence en disant, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et de chercher cette justice de Dieu, non pas la justice des hommes, parce que la justice des hommes, souvent, elle est injuste. Les hommes veulent faire la justice, mais parfois, malheureusement, ceux qui gèrent cette justice n'en sont pas dans la justice de Dieu. Et comme ils n'en sont pas dans la justice de Dieu, la façon de faire même justice, parfois dans notre monde, elle n'est pas toujours bonne. Parce qu'il manque du discernement de l'Esprit Saint. Il manque de la lumière de Dieu. Mais, ici Jésus dit que votre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Et alors vous entrerez dans le royaume des cieux. Et après, il va dire, Jésus va dire, quelconque se fâche contre son frère répondra au tribunal. S'il dit à son frère crétin, il en répondra au Sanhédrin. Et s'il lui dit, renégat, il en répondra dans la géhenne du feu. Ça veut dire, les paroles que tu dis, il faut faire attention à ce que nous disons. Parce que ce que nous disons concerne ce qui habite en nous. Ce n'est pas seulement une parole. Bien sûr qu'une parole peut blesser quelqu'un très fort, peut même tuer une personne. Mais ce que nous disons aussi est en train peut-être de nous tuer et de détruire les royaumes de Dieu aussi en chacun de nous. Il faut faire très attention. Et Jésus va dire, quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis reviens et alors présente ton offrande. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Si ton frère il a quelque chose contre toi, va te réconcilier d'abord et après reviens. Reviens pour vivre l'Eucharistie, pour faire ton offrande au Seigneur, mais pour recevoir le corps du Christ, pour recevoir la bénédiction du Seigneur, pour recevoir les grâces du Seigneur. Il faut d'abord te réconcilier avec ton frère pour recevoir les biens de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Et Jésus, il est très ferme là-dessus. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. D'Origène, homélie sur Josué. Dans l'Écriture, nous rencontrons souvent Jéricho comme la figure de ce monde. Par exemple, lorsque l'Évangile nous dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. » Cet homme, c'est évidemment la figure d'Adam, chassé du paradis et exilé dans ce monde. Quant aux aveugles de Jéricho, que Jésus vint trouver pour leur rendre la vue, ils représentaient les hommes de ce monde, accablés par la cécité de l'ignorance et pour qui le Fils de Dieu est venu. Or, cette ville de Jéricho, c'est-à-dire notre monde, doit s'effondrer, car depuis longtemps, les livres saints ont annoncé la fin du monde. Or, comment donc finira-t-il? De quelle manière? Par le son des trompettes, dit l'Écriture. De quelle trompette? Demandons à Saint Paul de nous dévoiler ses secrets. Écoutez ses propres paroles. Elle sonnera la trompette
et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront impérissables. Et encore, sur l'ordre de Dieu, à la voix de l'archange, au son de la trompette, le Seigneur descendra du ciel. C'est alors qu'au son de la trompette, notre Seigneur Jésus triomphera de Jéricho, et sa victoire sera si accablante que seule la courtisane avec toute sa maison sera sauvée. Ici, il parle de Rahab, cette femme de la Sainte Écriture. Il viendra donc Jésus, notre Seigneur, et il viendra au son des trompettes. Que le Seigneur la sauve, elle seule qui a accueilli ses éclaireurs, c'est-à-dire qui reçut ses apôtres avec foi et soumission, et les installa dans la haute de sa maison, qu'ils joignent et unissent cette courtisane à la maison d'Israël, mais cessant de rappeler ses anciennes fautes et de lui en tenir rigueur. Elle a été courtisane autrefois, maintenant elle a été unie au Christ comme une vierge chaste et à son unique époux. Écoutez comment l'apôtre parle d'elle. Je vous ai fait rencontrer le seul époux. Vous êtes l'épouse chaste que j'ai unie au Christ. Il en venait celui-là même qui disait, nous étions autrefois, nous aussi encensés, incroyants, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de jouissances. Faut-il de plus longtemps de longs commentaires pour vous expliquer comment la courtisane n'est plus une courtisane? Écoutez encore Saint Paul. Vous avez été tout cela, mais vous avez été lavé. Vous avez été sanctifié au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et dans l'Esprit de notre Dieu. Pour qu'elle échappât en effet à la ruine de Jéricho, elle a reçu des éclaireurs les signes très puissants du salut, les fils d'écarlate, car c'est par le sang du Christ que l'Église universelle est sauvée en Jésus-Christ notre Seigneur, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.